comme l'a mentionné Ishaï très justement, il n'y a pas un agenda définitif sur les étapes messianiques. Les rabbins ont toujours eu l'audace intellectuelle de les discuter, de les débattre, et si on avait le temps, on pourrait énoncer les diverses étapes qui ont été conçues et pensées dans le programme messianique, depuis la réalisation concrète par les hommes jusqu'à la fameuse descente d'un temple tout à fait construit. Donc, il y a dans le judaïsme une formidable créativité et une capacité de prendre de la distance par rapport à la littéralité des textes. Et pourtant, et en même temps, et paradoxalement, il y a cette idée que si la raison s'empare du texte, on trahit la fidélité à Dieu parce qu'il n'y a plus d'obéissance absolue et aveugle. Et on est encore à l'heure d'aujourd'hui dans ce double héritage en tension non résolue. D'un côté qui appelle au débat, à la discussion, qui sollicite l'intelligence et la raison, et d'un autre, une autre dimension qui requiert l'obéissance, qui est intimidante et culpabilisatrice. On est au cœur de la crise contemporaine du judaïsme.